Avenois News, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de télé favorite. Alors aujourd'hui, on a quitté l'Avenois proprement dit, on est en Thiérache, on est à l'hippodrome de la Capelle en Thiérache. On est là pour présenter une manifestation qui aura lieu le 1er et le 2 juin, ça s'appelle les Routes du Maroilles. On est en compagnie d'Étienne Franquet qui est le président de cette jeune association, on va en parler après. On va l'écouter et puis regarder quelques images qui ont été tournées ici sur le site de l'hippodrome. Voilà, alors je suis donc, comme je vous le disais, avec Étienne Franquet, qui est le président de la toute jeune association Les Routes du Maroilles. Alors, toute jeune, oui, effectivement, elle a été créée quand ? Alors nous avons créé l'association donc au mois d'octobre sur une initiative de l'hippodrome de la Capelle avec Monsieur Aigret sur le concours de la ville de Maroilles, la ville de la Capelle, l'association d'attelage de l'Aisne et également la MFR de Beauregard. Voilà. Et donc tous ces gens-là se sont mis autour de la table et on a voulu écrire cette grande route de 32 km entre la Capelle et Maroilles. On associe les chevaux et les cavaliers pour l'occasion, ainsi que les chevaux de trait et les ânes. Donc tous les équins seront représentés pour ce week-end du 1er et 2 juin prochain. Oui, alors moi j'ai regardé le programme, hein, je l'ai là sous les yeux, ça va être quand même assez riche. Hein. Bon, il va y avoir des repas, il va y avoir donc cette grande balade, je crois que c'est sur 32 km, c'est ça? Oui, donc on fait 32 km le dimanche, mais auparavant, le samedi, on organise une boucle de 18 km avec environ une vingtaine d'attelages et une vingtaine de cavaliers entre la Capelle, Sorbet et la Capelle. Et ensuite, à partir de 18h, entre 18h et 19h, nous aurons une parade de tous les cavaliers et de tous les attelages dans la Capelle. Sachant qu'en même temps que nous aurons la boucle de Sorbet l'après-midi, on organisera un spectacle par la MFR avec une cavalcade, des acrobaties à cheval et tout ça qui sont faits par le pôle d'excellence cheval de la MFR et aussi deux maniabilités, une maniabilité jeu pour ceux qui veulent s'amuser avec les chevaux et les attelages et une maniabilité technique pour les professionnels. Et puis il y aura cette grande balade donc et le dimanche donc tout le monde va se retrouver à Maroilles et là aussi il va y avoir quand même pas mal d'animation hein. Voilà. Alors donc on espère démarrer avec les cavaliers entre 8h et 8h30 le matin et à partir de 8h30 les 70 attelages qui sont déjà inscrits aujourd'hui partiront pour donc Maroilles avec une halte à Beaurepaire et à Papleux. Et là on va faire une petite animation sur place pour faire un petit break, une petite halte sympathique pour reposer les chevaux et les meneurs entre deux ainsi que les cavaliers. Et à Maroilles, donc là on organise une grande fête sur le thème 1900. Et là, je vais laisser la parole à mon ami Bernard Lojard de Maroilles pour présenter les festivités à Maroilles. Oui, alors Bernard Lojard, il y a aussi les 20 km, on n'est pas là pour ça. Hein, une des chevilles ouvrières des 20 km, on en parlait tout à l'heure, c'est pas toujours évident. Alors, pour ce qui est de ces routes du Maroilles, alors qu'est-ce qui est prévu dans votre belle commune? Oui, ben les routes de Maroilles, il est prévu, bon, l'accueil
normalement de tous les cavaliers et les meneurs. On les accueillera avec un repas traditionnel qui est la poule au pot, qui était les années 1900. On envisage, si je comprends bien, ça va être autour de 300 repas qui vont être servis en genre de self-service pour la servir chaud, hein, servir chaud surtout, et la rapidité du service. Et ensuite, on aura beaucoup d'animations, donc orchestre de jazz, il y aura un cirque à l'ancienne 1900. Il y aura des syndicats d'initiatives de Maubeuge, Bouzy, Landrecy, Maroual, qui vont surtout parler de la région et du tourisme. Et tout ça dans une ambiance, j'espère, qui sera exceptionnelle et que le temps soit favorable pour cette grande manifestation et pour cette première surtout. Parce que le but, c'est quand même les années futures de continuer cette manifestation et pourquoi pas la développer. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Rendez-vous, avant que ça ne commence, rendez-vous est déjà pris pour 2014 alors. Oui, tout à fait. Mais avant, il ne faut surtout pas oublier qu'on organise une grande soirée avec un buffet qui est ici même sur l'hippodrome de la Capelle, où on a déjà près de 500 personnes qui se sont inscrites au buffet. Et Tirage Promotion nous organise un magnifique spectacle, son et lumière, pyrotechnie, à partir de 22h30. Et là, on attend à peu près 2000 spectateurs, et on sera très heureux d'accueillir tous les gens de la région pour admirer un très très beau spectacle fait par des bénévoles et une association de la Capelle. Alors bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est réserver votre week-end du 1er et du 2 juin. Alors vous verrez ici en dessous les coordonnées où vous pourrez vous inscrire pour le repas par exemple. Hein. Et donc je vous mettrai en incrustation ici toutes les coordonnées. Alors monsieur Aigret, vous êtes le président du champ de course ici de la Capelle, un champ de course soit dit en passant réputé qui existe depuis combien de temps? Il aura l'année prochaine 140 années d'existence. Qui n'est pas rien. Et chose très importante, il est classé cette année 3e hippodrome de France sur 243. Une référence donc, hein, en la matière. Alors, monsieur Aigret, qu'est-ce qui a motivé le champ de course de la Capelle, votre conseil d'administration, de participer, d'être associé à cette manifestation, donc à ces routes du Maroual? Tout d'abord, à l'origine, c'est nous qui sommes à l'origine de cette idée originale, et simplement parce que nous sommes pôle d'excellence et qu'il m'est paru indispensable que d'ouvrir notre hippodrome à d'autres activités équines. Donc je pense que l'attelage est une discipline qui a énormément de croissance et extrêmement sympathique. Et je trouvais tout à fait normal que de trouver une idée, si vous voulez, donc relier la Capelle à Maroual, il y a 35 km, ce qui correspond au point de vue temps, au temps qu'il faut pour un cheval pour une journée. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est mis d'accord. Et nos relations avec la ville de Maroual sont tout à fait excellentes. Et tout ce que fait Maroual, en règle générale, ils réussissent toujours tout ce qu'ils entreprennent. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de trouver Maroual comme partenaire. Et alors, chose aussi très importante, pour mettre tout ça en musique, si je puis dire, il fallait qu'on trouve une équipe de personnes dévouées et d'excellents techniciens. Et c'est à quoi on a pensé associer et à demander à l'association des attelages de laine de prendre les choses en main de façon à ce que ça se déroule dans les meilleures conditions possibles. Merci monsieur Aigret et je vous laisse retourner à vos courses. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie en ma compagnie. Je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée ou soirée. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette émission. Pour ma part, eh bien, je vous dis à bientôt, mais alors peut-être.